By the River, c'est l'histoire de deux potes qui partent aux quatre coins du monde pour se lâcher et profiter de la vie. J'ai tout de suite pensé que Jay serait la personne idéale pour me suivre dans cette aventure. Il incarne parfaitement cette jeunesse insolente, avide de sensations et qui jure que par l'instant présent. Quand le réalisateur lui a envoyé le scénario, il n'a pas hésité une seule seconde. En même temps, ce rôle, c'est son mode de vie, sa philosophie. Comme c'était le premier single de 2019, on voulait vraiment marquer le coup. Chaque jour, on franchissait un gap en termes d'aventure et d'adrénaline. Le saut en parachute, ouais, c'était le summum. Par contre, il fallait être sérieux et concentré pour faire toutes les prises nécessaires. Il y avait un vent de dingue, on a attendu une heure pour décoller. Même Jay était pas serein. Une fois que t'es dans le vide, par contre, t'oublies tout et c'était juste mémorable. Pour couronner le tout, on a voulu intégrer deux danseuses dans le clip et le résultat est fou. Elles ont créé une chorégraphie qui matche totalement avec la puissance du lieu et des paysages. Un tournage comme ça, c'est quelque chose d'éprouvant mais aussi fantastique. Il y a toujours des galères et des doutes, mais avec une équipe soudée et une ambiance incroyable, tout va bien. Finalement, ce clip, c'est un énorme clin d'œil à tous ceux qui profitent de la vie au jour le jour, qui vivent l'instant présent à sa juste valeur et qui n'ont pas peur de se jeter dans l'inconnu et l'immensité.